Nous sommes à la barrière de la mine Noranda. À l'été 1934, une grève en pleine crise économique est menée par ceux qu'on appelait, quand j'étais petit, les fraux. Les fraux étaient une contraction, est une contraction du mot « foreigners », qui veut dire « étranger ». À cette époque, les Canadiens français ne travaillaient pas dans les mines. Ils considéraient qu'ils étaient pour passer assez de temps autour de la terre une fois mort, que c'était pas nécessaire de se presser. Ce qui a un certain sens. Les fraux avaient fui la misère de toutes les Russies des années 20, des années 30. Les Ukrainiens, les Polonais aussi. Ils avaient pris le bateau là-bas, traversé la Manche pour arriver au Canada, à Halifax, où un agent d'immigration les accueillait. « Welcome, suckers ». Nous venons de découvrir dans le nord du pays une belle et grande région qui s'appelle l'Abitibi et qui veut dire en indien « là où est-ce que l'asphalte arrête ». Nous venons de découvrir un immense gisement de cuivre et votre travail consiste à aller l'exhumer. Et si vous faites bien ça, si vous ne contrevenez pas aux lois du pays, dans 5 ans, on va vous munir de papier d'identité. Telle était l'entente. Alors, les fraudes sont partis pour Noranda. En même temps aussi que beaucoup de Canadiens français, à l'époque, qui, dans le temps de la crise, qui fuyaient la misère, eux, de Trois-Rivières, de Québec, de Montréal, sont partis 50 000. Mais en agriculture, cultiver des variétés de carottes polaires. Mais ils étaient très heureux en fonction des nombreux et variés couchers de soleil qu'ils contemplaient en égrenant le chapelet en belu asséché. Les fraudes ont travaillé un certain nombre d'années. Ils ont rencontré à un moment donné le gérant de la mine, qui s'appelle M. Roscoe. Roscoe était un type possiblement refermé sur lui-même, qui avait acquis son métier d'ingénieur minier dans les mines d'or d'Afrique du Sud au détour du siècle. Ce qui laisse supposer une certaine conception des relations industrielles. Après quelques années, ils sont allés voir M. Roscoe, ils lui ont exigé un certain nombre de points. Il n'y avait vraiment pas d'union, pas de syndicat dans ce temps-là, c'était évident. Premièrement, ils ont demandé un séchoir pour se sécher une fois très humide sous la terre, dangereux. Deuxièmement, quand vous levez la cage à 5 heures, ne plus jamais oublier personne dans les galeries. Ce qui était courant à l'époque. Et troisièmement, un salaire qui tirait vers le salaire infinimum, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, M. Roscoe, un type refermé sur lui-même, a refermé la porte et a appelé la RCMP. Et c'est là qu'ils ont envoyé pour la première fois dans l'histoire du Québec les grenades lacrymogènes sur du monde. Les fraudes ont été arrêtés et amenés à Amos. Ils ont été reçus par le juge. Qui leur a demandé vos papiers. Ils ont été renvoyés chez eux. Et les Canadiens français qui sortaient eux-mêmes d'une terrible grève de bûcherons ont pris leur place à la Noranda. La chanson que je vais chanter est une ballade que j'ai écrite il y a une quinzaine d'années pour un film documentaire qui s'appelle « Comme des chiens en package » et qui devrait bientôt arriver sur vos écrans. On va mettre un homme là-dessus.